Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur Je vous Assassin's conseille de Creed retourner et au on va village. vite partir parce qu'il y a des petites titines. Regardez. Eh bien aujourd'hui, je pense que c'est mission élimination. Mission élimination et j'aimerais bien choper un bandit. Alors ils m'ont dit qu'il y avait une Bandit, capuche noire, il mais je a vois pas de trouvé la capuche noire force ici. de défendre notre illustre Bon bah tant civilisation. pis hein. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est bien pour Peut-être notre qu'en entrant prestige. dans le bureau des assassins, je vais récupérer Le des roi outils, mais bon. Tyrell rêve de faire disparaître le Mais bon. monde de la terre. Nous devons. Hop. Allez, salam! Où en es-tu, novice? Je ne suis Novice. pas un novice. Ouais, merci. Un homme est jugé par ses actions, Altaïr. Non par ses distinctions. Nous pouvons nous quereller ou poursuivre notre mission. À toi de voir. Alors dis-moi ce que tu sais. Al-Mualim a ordonné l'assassinat de Majdadine. Celui-ci va organiser une exécution publique non loin d'ici. L'endroit sera bien gardé, mais rien d'insurmontable. Je sais quoi faire. Et voilà pourquoi tu restes un novice à mes yeux. Tu ne dois pas savoir, mais supposer. Tu dois prévoir d'éventuelles erreurs. Tu dois anticiper, Altaïr. Combien de fois devrais-je te le rappeler? Autre chose? Oui, en effet, il y a autre chose. Un de ceux qui doivent être exécutés est un de nos frères. Al-Mualim ne peut tolérer cela. Tu n'auras pas à te préoccuper de son sauvetage. Mes hommes s'en chargeront. Mais tu dois empêcher Majdadine de lui ôter la vie. C'est bizarre tout ça quand même, hein. C'est bizarre. Moi je dis Ne rien, mais... commets pas d'erreur et ne perds pas de temps. Avance rapide vers une Je ne séquence dis rien, commençant. mais... Moi j'ai quand même des doutes sur Al-Mualim, hein. Alors je le répète, parce que bon, il y a Majadine, il y a Al-Mualim, alors parfois c'est compliqué de s'y retrouver, pour faire simple. Al-Mualim, c'est. Je vais l'appeler l'ancêtre. C'est l'ancêtre qu'il y a dans la forteresse de Meisaf. C'est en fait notre chef, celui qui nous donne des ordres, etc. Et bah, je ne le sens pas. Vraiment, je ne le sens pas. J'ai l'impression qu'on va découvrir qu'il sert un peu ses propres intérêts. Enfin, je sais pas, mais depuis tout à l'heure. Enfin, depuis bien longtemps, je vous ai déjà dit que. Ah, il y a quelque chose qui. Il y a quelque chose qui me perturbe. Je vais pas vous le cacher, il y a quelque chose qui me perturbe. Donc écoutez, on va récupérer ce petit drapeau et on va rentrer par les toits. Hop, voilà. Toi mon gars, tu vas y passer. Hop, voilà. Tu n'es pas le bienvenu ici. Va-t'en. T'es sûr? Bah viens. Ah, ça se bloque quand on est vu. C'est ça le délire? Ah oui, il y a lui là-bas. Oh là là, attendez. C'est ça. Ah bah ok. Voilà. S'il y a que ça, hein. Ok. Bah il y a plein d'archers. Donc va falloir, à mon avis, régler à tous leur compte. Voilà. Voilà. Et je pense que c'est ici. Ouh, je vois un bon point là où récupérer un drapeau. Hop. Hop. Bah il est tout à gauche notre frère.
Attendez, je crois qu'il y a un bug. J'ai fait bugger le jeu. Merde, je crois que j'ai fait bugger le jeu. Attendez. Non mais, c'est sérieux ça? Bon, attendez. Ah, ça m'énerve quand ça bug. C'est pas grave, c'est pas grave. On va se re-TP au bureau, tout va bien se passer. Voilà. Si vous vous battez à main nue, les gardes ne bougeront pas. Dégainez votre arme et ils se montreront hostiles. Je suis mitigé par rapport à ce terme là, parce que parfois quand on a voulu taper quelqu'un, ils nous ont sauté dessus les gardes, hein, donc bon. Je ne suis point d'accord avec ça. Oh, va falloir pas falloir que je me retape le truc. Oh si, il faut que je me retape. Je peux pas le passer. Oh. Bon bah x2 hein, c'est reparti. Poursuivre notre mission, à toi de voir. Alors dis-moi ce que tu sais. Al-Mualim a ordonné l'assassinat de Majdadin. Celui-ci va organiser une exécution publique non loin d'ici. L'endroit sera bien gardé, mais rien d'insurmontable. Je sais quoi faire. Et voilà pourquoi tu restes un novice à mes yeux. Tu ne dois pas savoir, mais supposer. Tu dois prévoir d'éventuelles erreurs. Tu dois anticiper, Altaïr. Combien de fois devrais-je te le rappeler? Autre chose? Oui, en effet, il y a autre chose. Un de ceux qui doivent être exécutés est un de nos frères. Al-Mualim ne peut tolérer cela. Tu n'auras pas à te préoccuper de son sauvetage. Mes hommes s'en chargeront. Mais tu dois empêcher Majdadin de lui ôter la vie. Après, il nous critique, mais bon... Et ne perds pas de temps. Il nous critique ce petit monsieur, il nous critique. Mais en attendant, lui, je le vois pas se bouger, hein. Je ne le vois pas se bouger, le gars. Donc, franchement, ses commentaires, bah, pour moi, je les prends pas au sérieux. Hein. Alors, clairement pas. On va passer par la rue, ce sera plus simple. What? Comment j'ai stoppé net? Ouais, je peux pas trop passer, donc on va passer par là. Oui, tuez-moi, je vous attends. Allez, deux. Et deux. Wow. Ok, bon bah vous voulez jouer à ça? On va jouer à ça. Non mais oh, on va se calmer hein. Bon là ça on s'en fout. Ok. On va prendre le point, histoire de...
Non. Peuple de Jérusalem, écoutez-moi. Je suis ici aujourd'hui pour vous mettre en garde. Les malveillants sont parmi vous. Ils sèment les graines de la discorde et tentent de vous tromper. Est-ce là ce que vous souhaitez? Vous rentrez dans le péché et le mensonge? Vivre continuellement dans la peur? Non! Pas question! Jamais! Alors, allez-vous agir? Et comment? Oui! Guidez-nous! Votre dévouement me réjouit. Ce mal doit être éradiqué. Alors seulement nous pourrons espérer nous racheter. Ce n'est pas ça, la justice! Regarde-moi! Pour qui vous prenez-vous? Et vous restez là sans rien faire! Vous êtes complice de ce crime! Dieu vous maudisse! Voyez comme ces hommes tentent de vous détourner du bien! Leur but, faire naître le doute et la peur en vous! Mais moi, je les en empêcherai. Les quatre là, je vous le dis, sont tombés dans le péché. La cata, le voleur, le joueur, l'hérétique. Bah, ça sent plutôt. Les quatre là, je vous le dis, ont attiré sur eux la colère divine. Allez, venez, je vous attends. Allez, un de plus. Un de plus. Un de plus. Oh, bien joué. Voilà, c'est ça qu'on veut. Dis-moi, quel est ton rôle au juste? Est-ce que tu vas te défendre comme les autres l'ont fait en m'expliquant que tu voulais faire le bien? La fraternité voulait cette cité. Je voulais le pouvoir. J'y ai vu une opportunité. Une opportunité de tuer des innocents? Pas des innocents. Le peuple n'est pas sourd aux voix de ses opposants. Ils menacent l'ordre. En cela, je suis d'accord avec la fraternité. Tu tues des gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances que toi? Bien sûr que non. Je tue parce que j'en ai le pouvoir. Parce que j'aime ça. Sais-tu ce qu'on ressent quand on tient la vie d'un homme entre ses mains? Bah oui. As-tu vu comment la foule m'acclame? As-tu vu comme elle me craint? Pour eux, je suis un dieu. Tu aurais fait la même chose à ma place. Une telle puissance. Avant, peut-être. Mais j'ai vu ce qui arrive à ceux qui tentent de s'élever au-dessus des autres. Eh oui. Que leur arrive-t-il? Eh bien, je vais te le montrer. Eh ben, une bonne chose de faite. Arrête de bugger, s'il te plaît. Merci. J'ai même brûlé mes cuissons. Allez, attrapez-le.
Voilà. Regardez-moi ces bandes de guignols. Je suis caché. Je suis caché. Allez, redescendez. Voilà. On va rester sur les toits, n'est-ce pas? Parce que... Bon, quoique. Je suis en train de réfléchir, mais non, en fait. Pas forcément besoin. Hop. C'est rien, je ne fais que passer. Voilà. On est juste à côté du bureau, on va pouvoir y aller en passant par là. Ah bah en fait non. Alors, je vois un point ici. On va aller dans le point. Voilà. Et après on pourra entrer dans le bureau. Jérusalem n'a plus de régent. C'est ce qu'on m'a dit, en effet. Et c'est tout? Je n'ai pas droit à tes conseils avisés. Pourtant, Malik, j'ai bien dû faire quelque chose de travers. Tu as fait ce que les Hachashiyun doivent faire. Ni plus, ni moins. Mouais. N'espère pas des louanges de ma part pour avoir simplement rempli ta mission. Et on a fait quand même un massacre, hein? Rien de ce que je fais ne te convient. Rentre à Masyaf. Tu auras tout le temps d'y réfléchir. Masyaf. Ton travail ici est terminé. Masyaf. Avance rapide. On va aller voir le vieux. On va aller voir le vieux. Et prochaine étape, Acre. Oui. Si vous vous faites remarquer, tuez quelques-uns de vos poursuivants pour fuir plus facilement. Ouais, pareil, ce commentaire-là est un peu useless parce qu'après, quand on a 10 ennemis contre nous, bah, se réchapper, c'est un peu difficile, hein. Alors, Altaïr, donne-moi des nouvelles de ta mission. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Bien, bien. Je sens que tes pensées s'égarent. Tu peux tout me dire. Les hommes que je tue me parlent de choses que je ne comprends pas. Quand je vous demande de m'aider à y voir plus clair, vous me répondez toujours par des énigmes. C'en est assez. Qui es-tu pour me parler ainsi? Celui qui se charge de la sale besogne. Si vous voulez que je continue, vous allez devoir me parler sans détour. Fais attention, mon garçon. Je n'aime pas ce ton-là. Et moi, je n'aime pas qu'on me trompe. Je t'ai offert une chance de retrouver ton honneur perdu. Pas perdu. Dérobé. Par vous, et vous m'obligez à le retrouver comme un vulgaire chien. Je vais devoir te remplacer. Dommage, je fondais beaucoup d'espoir sur toi. Si vous pouviez me remplacer, vous l'auriez fait depuis longtemps. Vous m'avez dit que la réponse m'apparaîtrait quand je n'aurais plus à poser la question. Je ne demande plus rien, j'exige de savoir ce qui unit ces hommes. Oui, ce que tu dis est vrai. Il y a un lien entre ces hommes, un lien de sang qui ressemble au nôtre. Qui sont-ils? Non nobis, dominé, non nobis. Des Templiers. Tu comprends mieux quel est le pouvoir de Robert de Sablé. Tous ces hommes, à la tête d'une cité, d'une armée. Ils ont tous fait acte d'allégeance. Leurs actions ne doivent pas être considérées individuellement, mais dans leur ensemble. Que cherchent-ils? À conquérir. Ils veulent la Terre Sainte. Pas au nom de leur dieu, non. Ils la veulent pour eux seuls. Et Richard, et Salah Adin. Ceux qui s'opposeront aux Templiers seront éliminés. Je peux t'assurer qu'ils en ont les moyens. Alors il faut les arrêter. C'est ce que nous cherchons à faire, Altaïr. Nous travaillons à éradiquer ce mal. Pourquoi m'avez-vous caché la vérité? Pour que tu les perces à jour. La connaissance précède l'action comme en toute chose. Les informations que tu obtiens sont plus précieuses que celles qu'on te donne.
Par ailleurs, tu ne me semblais pas digne de confiance. Je vois. Altaïr, ta mission reste la même. Seule à changer la façon dont tu l'aperçois. Et ce que j'ai appris me permettra de mieux comprendre les Templiers que je dois tuer. Y a-t-il autre chose que tu voudrais savoir ? Parlez-moi du trésor que Malik a rapporté du temple de Salomon. De Sablé voulait le récupérer à tout prix. Plus tard, Altaïr, tu y verras plus clair. De même que le rôle des Templiers t'a été révélé, tu connaîtras la nature de ce trésor. Dans l'immédiat, réjouis-toi qu'il soit entre nos mains et pas entre les leurs. Si tel est votre souhait. En effet. Tu gravis un nouvel échelon. Reprends ton arme. Puisses-tu faire honneur à la fraternité. Altaïr, avant que tu ne partes. Oui. Comment savais-tu que je ne te tuerais pas? Je ne le savais pas, maître. Vraiment. J'ai fait acte de foi. Ouais. Il est un peu nigo, Altaïr. Hein. Il est un peu nigo parce que on lui dit le simple mot Templier, c'est bon, il cherche plus à comprendre. Il dit bah ces hommes en fait c'est des Templiers. Il dit ah oh, ok, d'accord, pas de problème. Aïe 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 aïe. C'est bon. C'est un peu ridicule. Vous m'excuserez, mais c'est un peu l'excuse. Ah bah c'est pas moi, c'est les Anglais. Ouais bon. Allez, on va s'occuper de Acre. Pourquoi il court comme ça ? Où est-ce qu'il va ? Le temps. Tac. Ouais, c'est un peu facile hein, quand même. Hein, de dire qu'ils sont tous des Templiers, qu'ils ont tous un objectif commun. Bon, c'est un peu facile, je trouve. Il est un peu nigo, hein. Sa foi passe au-dessus de tout, donc du coup, il est un peu nigo. Eh bien, nous voilà de retour à Acre. Sur ce, on regarde la petite map, on va débloquer tout ça. Donc, ça sera l'objet du prochain épisode. En attendant, on se laisse ici pour cet épisode-ci. Donc, je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, et à demain pour de nouvelles aventures sur Assassin's Creed. Pardon, ciao, ciao!